Ben, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'engueule et vous devez me protéger, je vous signale. Moi, je peux te protéger. Toi, oui, mais Gira et Evans, pourquoi elle est toujours en colère? Elle m'en veut ou quoi? Elle t'en veut pas, non. La situation est délicate. Evans n'a pas eu un parcours facile. Elle a perdu deux frères dans les guerres de gang. Pas étonnant qu'elle soit dure. Tu lui fais confiance? C'était la première fille de sa famille à être allée à l'université. Elle a été diplômée en droit à Stanford. Voilà pourquoi le FBI l'a foutue dans l'équipe d'intervention. C'est une chance incroyable qu'on lui a donnée et elle ne veut surtout pas la foirer. Je l'ai entendu se disputer avec Gera ce matin. Elle lui a dit que personne ne lui faisait confiance. C'est le seul à avoir survécu à l'attentat. Forcément, les gens se posent des questions. Gera a cette casserole au cul et s'il veut s'en débarrasser, il va devoir prouver qu'il est clean. Vous devez travailler ensemble, si vous voulez me protéger. Tu as raison. Je vais leur parler. On va se démerder, tu verras. Fais-moi confiance. Je te crois, Ben. Mais les deux autres, j'en sais rien. Je suis prête. Prenez votre matos et partons. Où est le sergent Dempsey? Il attend dans la bagnole. Il prendra... Allez, tirons-nous d'ici. On y va. Prêt, je vais vérifier le périmètre. RAS. On l'a fait sortir. Allez, Jess. Allons-y. Prêt? Démarrez. Doucement. Vous pensez? Ça va, Jess. Vous inquiétez pas. C'est loin. De l'autre côté de la ville. L'endroit n'est pas des plus élégants, mais c'est bien retranché. Et vous y serez parfaitement en sécurité. On est un peu à cran aujourd'hui? Vous en faites pas, Jean Guerra. C'est pas mon premier rodéo. C'est quoi ce bordel? C'est un piège! Demi-tour! Demi-tour! Bordel, on se tire! Go, go, go! Appelez des renforts, McCall! McCall! Go! Centrale, on nous tire dessus! Au carrefour entre Pico et Berendo, en direction de l'autoroute Est! Putain! Tout droit! Prenez à droite. Butez-moi ces enfoirés. Freinez, reculez, putain de merde. Attention! Reculez! Reculez! Va bien? Jess? Jess, gardez la tête baissée! Putain, quelqu'un nous a balancé! Éteignez-moi cette putain de sirène! On se fait griller là! Accrochez-vous!
nous suivrons pas. À gauche. Oh mon Dieu! Cette autoroute. Allez savoir. Tiens, vous vous entraînez avec ce truc ou moi? Bordel! Faut qu'on sème ces salopards. Bon Dieu. Prenez à droite. Oh mon Dieu! Cette PC, bordel! Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, j'imagine qu'ils savent où est la planque. Je réfléchis. Plus vite alors, on n'a pas toute la journée. Bon sang! Dempsey! 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 Ça va? Ne regardez pas, Jess.
Allez, ne regardez pas. Sortez de la caisse! Il est mort, Jess. Il faut y aller. On doit se tirer d'ici. Jess! Jess, bordel! Regardez-moi! Plus vite! Par là! Restez avec nous, Jess! Courez! Courez! Derrière! Dégommons ces crevards! Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Il nous faut une caisse. Ouais, sans déconner. Quelqu'un doit en trouver une. Non, Trésor, il est mort. C'était un homme bien, mais il est plus là. Essaie de garder la tête froide, ok? Il nous faut une voiture. Toi, tu restes ici. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Ici. On les a trouvés. Celle-là fera l'affaire. Jessica, allez, on baisse pas les bras maintenant. Allez, Jess. Hey, faut pas qu'il nous voit. On va où maintenant? Je connais un endroit. Un endroit où personne ne viendra nous chercher. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe ici? J'ai l'impression qu'on était surveillés. On n'a pas été assez prudents. Ou alors il y a une balance. Qu'est-ce que vous racontez? Je dis que quelqu'un a dû lâcher le morceau. Et que c'est certainement pas moi. C'est ça, parce que c'est jamais le blanc le méchant, pas vrai? Viens pas me prendre la tête, toi le sombrero. C'est quoi votre problème, là? Vous êtes censé assurer ma protection. Vous êtes censé travailler ensemble. Tout ça, c'est des conneries. Tout le monde à Washington sait que la DEA et le FBI sont comme chien et chat. Et la police de Los Angeles ne fait rien pour arranger les choses. Elle vient de qui, cette brillante idée? Shane Dixon, assistante spéciale au procureur général adjoint. C'est histoire de donner l'impression au public qu'on travaille ensemble, qu'on est copains. Mais la vérité, celle qu'on cache toujours aux gens, c'est qu'un salopard de politicien cherche à protéger son cul en espérant que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. S'arranger? Faut voir. Peut-être que cette opération, c'est que de la poudre aux yeux. C'est une théorie intéressante, mais les choses sont généralement plus simples, ma belle. 9 fois sur 10, les huiles font pas le distinguo entre leur cul et leur coude. En attendant, quelqu'un cherche clairement à me tuer. Je pense pas. Il voulait vous kidnapper pour trouver quelque chose avant nous. Quelque chose qu'on n'a pas encore découvert. Comme quoi? Des preuves, des photos, des bandes. Votre père avait sûrement pris ses précautions. Le problème, c'est que j'en ai aucune idée. Vous avez votre téléphone? Passez-le-moi. Je l'ai éteint, comme vous me l'avez dit. On va se faire repérer avec un portable allumé. Pas si on se déplace constamment.
Vous connaissez un Kevin ? Mon père travaillait avec un Kevin Donlevy. Donlevy a été mis à pied après avoir tué son équipier par erreur. Par erreur ? On dit qu'il avait un problème de dépendance à la CAM. Appelez-le, qu'on sache ce qu'il veut. Je lui dis quoi ? Kevin ? C'est Jessica Stone, la fille de Patrick Stone. Je me souviens de toi, ma petite. T'étais encore une ado la dernière fois qu'on s'est vu. J'étais là pour tes 16 ans. Tu te rappelles ? Pas vraiment. Ouais, bon, c'est pas grave. Écoute, ton père m'a envoyé un truc par courrier en me demandant de le conserver s'il lui arrivait quoi que ce soit. Je comprends pas pourquoi il m'envoie ça à moi. Qu'est-ce que c'est ? Pour moi, il n'y a aucun doute que c'est ce qu'il a précipité dans le trou. Ce truc pointe tout droit vers les hautes sphères. Je suis à deux doigts de balancer la clé au fond de l'eau. Non, ne faites pas ça. Je vais venir la chercher. D'accord. Mais sois prudente. Retrouve-moi demain à 9h, au Panorama, le bar sur le toit. Et viens seul. Ça veut dire quoi, ce truc pointe tout droit vers les hautes sphères ? À savoir, ce type est un pochard de compète. Pour l'instant, pas un mot à qui que ce soit. Ni sur le rendez-vous, ni sur notre planque. Au point où on en est, on ne peut faire confiance à personne. Et ensuite, soldat, il s'est passé quoi ? Il a essuyé son couteau sur son pantalon en nous pointant avec son flingue de l'autre main. Elle bougeait encore. Je veux dire, elle convulsait. Et vous confirmez ceci dans votre rapport ? Oui, mon colonel. Le soldat Alvarez a violé une fille du village et l'a tuée pour se couvrir. Alvarez affirme n'avoir jamais été dans ce village le jour de l'incident. Mais c'est des conneries ! Allez-y doucement, soldat. Stone a tout vu. Il a tout vu, lui aussi. Amenez-moi Stone. Soldat Stone ? Soldat Patrick Stone. Confirmez-vous que le 15 août 1972, vous avez été témoin du viol et du meurtre d'une jeune civile vietnamienne répondant au nom de ou femme, perpétré par le soldat Alvarez ? Non, mon colonel, je n'ai rien vu de tel. Quoi ? Désolé, Ben, mais j'ai rien vu. Faute de témoignage, nous ne pouvons que rejeter les accusations à l'encontre du soldat Alvarez. Pour qui tu roules, Pat ? Hein ? Qui t'a dit de faire ça ? Assez, McCall. N'allez pas trop loin.